Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter la presse, donc un mouvement pour les cuisses. Donc, dans la salle, j'ai la chance d'avoir deux presses, hein, deux modèles complètement différents. Un en guidé, enfin les deux sont en guidé, mais un avec la charge guidée et l'autre avec la charge additionnelle. Donc, on va commencer par celle-là. Donc, même chose, j'ai un réglage là, à ce niveau-là, qui va me permettre d'avancer ou de reculer les quatre pieds s'il est trop près ou trop loin. Donc là, je viens positionner les pieds. Même chose, je règle la charge. Hop, je viens positionner les pieds et je viens pousser sur les cuisses. Donc je ne vais jamais embuter au niveau des genoux. Hein. Ça m'évite à chaque fois de venir taper sur l'articulation du genou. Je garde toujours une légère flexion, puis ça permet de garder les cuisses en tension. Les mains sur les poignets, puis je me tiens droit, j'allonge bien la colonne vertébrale. Hein. Je ne travaille pas avec le bas du dos arrondi. J'aspire, je fléchis, je souffle, je pousse. Je ne viens pas reposer les poids à chaque fois. Hein. Là, je ne vais pas m'arrêter ici. Hein, j'arrête un petit peu avant. Donc voilà pour la première presse. On a la deuxième. Donc sur la deuxième, on vient rajouter directement les poids, c'est ce qui nous permet de déterminer la charge. Donc je vais mettre les cales pour mettre les poids. Et on vient mettre un peu de charge. Ça permet de travailler sur un plan différent, là on est beaucoup plus incliné. Même chose, je pars allongé. Je mets les pieds sur les quatre pieds, les mains sur les poignets et je viens pousser. Même principe, je vais prendre l'extension au niveau des cuisses, j'aspire, je fléchis, je souffle, je tends. Autre chose, une autre consigne qu'on n'a pas vue sur l'autre presse, hein, c'est la position des genoux. Donc on a vu qu'on n'allait pas en extension complète, mais là je ne rentre pas les genoux sur l'intérieur. Hein, comme sur les squats, j'ai bien les genoux qui sortent sur l'extérieur. Donc un très bon exercice pour travailler en toute sécurité, hein, surtout pour les débutants. Voilà pour la presse. Bon entraînement!